À mes côtés, l'entraîneur Franck Ratigadeda. Et M. Sugadeda, l'année dernière, l'écurie était brillée, malgré mon ups and downs, mon walking, mon pépin. Il nous trouvait quand même une qualité chez quelques nouveaux. Oui, absolument. On ne peut pas. Quand on a gagné, on a remporté deux classiques. Mais il ne faut pas être trop gourmand dans ce giron-là. Bon, tu parles pour cette année-ci-là. Comme je l'avais déjà dit, je me disais que l'année dernière, j'ai déjà dit ça publiquement l'année dernière, où il fait low profile. On n'a pas de grandes ambitions. On espère que le target va être de remporter 10 courses. On n'a pas acheté de chevaux cette année-ci, on a acheté 5, mais c'est surtout pour le 0,26. On va peut-être acheter 2 ou 3 pour plus tard, prochaine cargaison, une fois que ça arrive le 22 février. On aura peut-être 5 chevaux. Comme je t'ai dit, 0,26 ou 0,42, mais des chevaux très ordinaires. Pour faire un peu les normes, je crois que les règlements demandent à ce qu'on apporte un minimum de 5 chevaux. C'est ce qu'on a fait. Et M. Gadela, nous apprenons aussi que peut-être pour qu'on engage Olivier Placé, nous tout connaît, c'est un jockey qui nous tenait on a été estime qu'il est de nous entière satisfaction quand il fait défendre une couleur quelques années de cela, encore 2 ans de cela. Et donc, est-ce que c'est confirmé qu'il va venir? Oui, c'est confirmé. J'ai eu une conversation avec lui hier soir. Et il va être là, mais pas avant la fin de février. Parce que, comme tu sais, il a deux jumeaux maintenant, et qu'ils doivent suivre certains traitements, et que ce sera pour la fin février. Peut-être qu'il sera là, mais comme tu sais, ils vont passer en quarantaine. Je doute bien fort qu'il sera là pour la première journée. De toute façon, je lui dis qu'on n'aura pas de représentant dans la 17 cette année.